Le 7 juillet à Muyonji, l'atmosphère était électrique à la place dite Rouge. Le méga-meeting organisé par Jacqueline Lydia Mikolo a mis en effervescence les populations qui y ont pris part pour témoigner leur engagement à sa vision, en l'occurrence celle de transformer en action concrète la politique gouvernementale. Muyondiens, chers Muyondiennes, en ce moment merveilleux de notre histoire commune, il ne nous est plus permis de nous tromper sur le choix de notre député. Pour que le gouvernement nous apporte des bonnes solutions, il faut que nous nous présentions des réelles préoccupations. Pour avoir des réelles préoccupations, il faut de bons députés. Pour avoir des bons députés, il faut faire le meilleur choix possible. Pour vous, ce sont les candidats du Parti Congolais du Travail. Le meeting de la candidate du PCT aux législatives et locales dans ce district du département de la Bouenza a été rehaussé de la présence du Premier ministre Anatole Coliné Makoso, chef de la majorité parlementaire, qui a lancé un vibrant message de voter sa candidate dès les premières heures du 10 juillet. À la campagne, on présente bilan contre bilan, programme contre programme, projet contre projet. Alors, surtout dans les problèmes de santé, ya. Muyonzi a fait le paquet. On a réhabilité, on a équipé presque tous les centres de santé intégrés. Louvounou, c'est la vérité. Mouvani pensait, est-ce que, on dirait qu'on ne court qu'élevé. Moi, il faut la tête directeur même à EDC. Je dis, moi, quand on a Muyonzi, na pipa, moi, là, la kuna. Est-ce que l'éclairage que vous dites ici, Mama Mikolo Zabisaka, beto tout l'éclairage public, tu n'as rompu moi ce là, surtout éclairage. Et bien, si on a Koutunga même, agence technico-commerciale, c'est la vérité. C'est la vérité. Bien avant, Jacqueline Lydia Mikolo a été épaulée par Jean-Jacques Bouya, candidat aux législatives à Tikapika. Il est ici pour galvaniser sa collègue qui est à la conquête d'une circonscription à plusieurs défis. On a du mot, Bouyeba, vote Zase Moko, Parti congolais du travail, 8h Bobandi, 10h, non midi, Bosilisi, Obazana moi à retard, 13h. 100% pour la maman Mikolo. Du haut de ses actions dans cette circonscription unique, Jacqueline Lydia Mikolo reste confiante de son triomphe le 10 juillet.